Bonjour tout le monde, on espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir quatre nouvelles figures de rock en musique d'abord et ensuite on va décortiquer tout ça ensemble. C'est parti! Alors, si vous voulez voir nos précédents tutos, c'est juste ici, en cliquant en haut à droite. Merci de mettre un pouce vers le haut et partager la vidéo si vous avez bien aimé notre enchaînement. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos régulières. La crêpe. 3 et 4, séparation. Main gauche en bas. 3 et 4, 5 et 6. On présente la main droite sur le côté, en libérant toujours la ligne de danse. 1, 2. 3 et 4, 5 et 6. On rechange de place encore une fois en écartant les mains sur le 3, en la regardant. 3 et 4, 5 et 6. Enroulé. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc j'amène ma danseuse à ma droite. Déroulé. Lève le bras gauche. Quart de tour à gauche, danseur. 5 et 6. Donc ici, les garçons, vous libérez bien le passage sur le 5 et 6. 2, 3 et 4, 5 et 6. La main droite reste en bas, on va lever le bras gauche. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Les garçons, vous allez refaire un quart de tour à gauche pour venir face à votre danseuse. Et ici, il y a deux options. Soit le pivot lâché qu'on a déjà vu, 3 et 4, 5 et 6. Mais attention, si vous voulez faire pivot lâché, il faut bien lâcher votre main droite. Voilà, sinon la danseuse ne tourne pas. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ou le pivot tenu. 1, 2 en haut, 3 et 4, 5 et 6. Reprise tournée. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Miroir. 3 et 4, séparation. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On représente la main sur le côté. 1, 2, cette fois on lâche la main gauche. 5 et 6. Les garçons, vous allez lever la main droite, prendre la place de votre danseuse. Et tournez à gauche sur le 5 et 6. 1, 2, je lève, je baisse et je tourne. 5 et 6. On est bien décalé par rapport à notre danseuse. Donc ça fait 3, 4. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je présente la main. Attention ici de ne pas faire un trop grand pas en arrière. Ici, 1, 2, vous allez être en déséquilibre. Là, l'idée, c'est de lâcher la main droite. 1, 2, lever le bras gauche. 5 et 6. Et reprise, tournez à la fin. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Hésitation. J'hésite à faire passer ma danseuse sous le bras. 3 et 4, 5 et 6. Je lève sur le 3. 2, 3 et 4, 5 et 6. 3 et 4, 5 et 6. Quand finalement j'ai décidé de la faire passer dessous, je lève mon bras sur le 3. Les garçons, vous restez sur place. Par contre, vous amenez bien votre danseuse devant vous sur le 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et reprise. 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc ça fait 3, 4, 1, 2, en haut, en bas, en haut, en bas, 3 et 4, 5 et 6, et reprise, 2, 3 et 4, 5 et 6. Passe numéro 4, la double caresse. 3 et 4, séparation, même début que la crêpe. 3 et 4, 5 et 6, on présente la main. 3 et 4, 5 et 6. Là, on va rechanger de côté, mais cette fois, les garçons, vous allez écarter les bras sur les côtés. 3 et 4 pour passer. Votre bras gauche par-dessus votre tête, votre bras droit par-dessus la tête de la danseuse. Hein? Donc ce qui fait, vous levez sur le 3,
1, 2, 3 et 4. Et à 4, les bras sont déjà derrière la tête. Et là, sur le 5 et 6, on laisse glisser notre bras tout au long du bras droit à la danseuse en venant face à face sur le 5 et 6. Prise en taille. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je lève le bras gauche sans lâcher. 5 et 6. Et là, grand soleil. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Alors ici, les garçons, on va faire un pas sur le côté, sur le temps 1. Et les filles, vous allez avancer sur le 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Elle fait reculer sur le 5 et 6. Hein? Donc, on veut bien laisser le passage. 2, 3 et 4, 5 et 6. Séparation de face en poussant avec la main droite et en gardant le bras gauche en bas. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Reprise tournée. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6.